بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، تمسكوا بكتاب الله وسنة نبيه تفلحوا. ألا إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شاذ شاذ في النار. أما بعد، قد قال الله تعالى في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Tout grand bien pour l'un, celui qui veut donner nos privilèges pour nous rassembler dans la case aujourd'hui, nous proclame ce grand bien, nous témoigne son unicité, nous déclare qu'il n'a pas aucun monde excepté Allah, et nous témoigne que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, li Allah son serviteur et Allah son messager. Nous tous qui nous suivons un peu de l'actualité, ce qui nous remarque ces derniers temps, c'est parallèlement à l'épidémie COVID-19 qui peut faire beaucoup ravages entre cette planète-là, nous avons aussi beaucoup des autres, l'épidémie, une maladie qui gangrène sa société-là. Et là-dedans, c'est ce qu'on appelle corruption. Mardi dernier, ex-les rois d'Espagne, une bizarre quitte ce pays, exilé, à la cachette, à cause de corruption. Semaine dernière, ex-premier ministre malaisien, condamné à 12 ans de prison pour corruption. Environ 3 semaines, il y a un ex-premier ministre français, condamné à 5 ans de prison pour corruption. Dans nos pays, un vice-premier ministre révoqué. Et nous tous, ce dernier, nous sommes capables de dire dernier mois, nous ne sommes qu'un petit peu, pas mal quelque chose qui nous déroulé, bonne action qui n'a trait avec corruption carrément, trafic d'influence, malversation. Nous tous, nous sommes aujourd'hui qu'à autant dire, une quincaillerie. Il y a un contrat pour fournir masse au ministère de la Santé. Un peu pour dire nous qu'il ne faudrait pas ou soquer si dimanche, samedi, quand on peut venir dans ma mari, pour madame Djaouin, pas oublier, tu prends des livres pour Pangaï. Je dis, en sous, samedi, mari, des livres pour Pangaï, écoute pas bien ça. Je dis, la pharmacie ouvre, non? La pharmacie pour Pangaï. Je dis, dans un pays là, qui n'a pas fourni masse, qui connaît? C'est ce qu'il coûte. Dans la pharmacie, ça c'est un dérèglement qui est dans l'île Maurice de 2020. Face à ça, une première réaction, nous bien capables de mobiliser, nous bien capables de faire une manifestation, descendre l'eau la rue, faire une campagne. Non. Ce qui est arrivé dans le principe philosophie, l'islam, par rapport à sens social, il y a une logique que l'islam
insi et vie. Nous gagnons la parole. Un salaf salih. Iza fasad al-nas, umira alayhim shiraruhum. Quand là, la corruption descend dans la masse, attend qui? Ben qui prend l'autorité parmi les autres, c'est ben plus pire parmi les autres. Pour dire qui? Ce qui traverse là-haut, c'est un reflet de ce qui est à la base. Pour dire que aussi longtemps moins où nous sentions confortables dans donner une petite enveloppe à droite, donner un garde, un billet décent, l'aussi mené comme au fort par les mains, juste pour éviter de complications, mais nous payons un droit moral, venir faire manifestation ou bien venir faire grand causerie. C'est que la réforme sociale de l'islam qui commence à la base avant, au niveau de la citoyenneté. Il faut dire que ça, Zom, madame, qui n'y a sa kalima la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, tout ce monde qui croit que Muhammadur Rasulullah veut dire mon prophète, mon nabi, mon modèle, mon template, c'est ça, ça, dit monde qui même ce monde l'ennemi féroce, il nous a accepté pour donner le titre de Al-Amin As-Sadiq, celui qui est honnête, celui qui est droit, celui qui ne paie aucune tasse. Et pour revenir à nos situations, c'est que par rapport à ce phénomène de corruption là, si nous disons pour les prochaines 20 minutes qui nous vont s'amener là, nous essayons de faire un petit rappel qui nous est dans nos références pour l'annexion par rapport à sa véritable épidémie qui est la corruption. Numéro 1, pour commencer, nous commençons par définition. Nous faisons les trois. Premier sujet, définition. Deuxième, cause corruption. Et troisième, c'est que l'islam donne nous comme un antidote, un remède, pour que moi-même, comme un simple citoyen, moi essaye d'amener dans mon lacasse, dans moi-même, qu'il tient l'intégrité, qu'il tient l'honnêteté. Par rapport à ma définition, pour commencer, qui veut dire corruption? Dans sa définition plus simple, servir une position publique pour gagner un avantage, pour gagner un cadeau, pour gagner un bénéfice. Servir une position, un poste qui m'a, une chaise qui m'a occupé, un uniforme qui l'a au moins, un bureau dans qui m'a travaillé, servir ça pour gagner l'avantage personnel, pour gagner un cadeau personnel. Et là, définitivement, nous rentrons dans ce qu'on appelle l'éthique. L'éthique, parce que cadeau en lui-même, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tahabbu, essence cadeau avec un azote, il n'y a pas de mohabbat entre l'un et l'autre. Mais ça même cadeau, ici, quand nous avons causé corruption, dans sa forme plus simple dans le créole, c'est donne bribe, ou bien prend bribe. Ce cadeau-là devient bribe. À partir de quel moment un cadeau devient un bribe? Ça, c'est la première définition que je donne dans la tête. À partir de quel moment, quand ça la ligne de démarcation entre cadeau avec bribe, ça c'est central. Et là, nous allons nous rendre compte que dans la tradition musulmane, il y a depuis bien bonheur. Il y a une réflexion qui est engagée et qui par la suite développée, élaborée par rapport à tout ça, phénomène de corruption et bribe. Définition que la Banque mondiale donnait, il dit un cadeau ou pas t'en noyer en retour. Mais un bribe, c'est quand là, on attend quelque chose en retour. Ou donner un cadeau parce qu'on attend quelque chose en retour. Dans ce, l'exemple plus simple, je me dis que l'imam a fait une causerie, ce que je voudrais retenir, ce hadith, quand le sahaba dit que l'imam a fait une meilleure action, il dit donne un manger, entre mes nains, donne un manger. Je suis dehors, je trouve un bail, un tonton, paraît-il affamé, je rentre dans un stack pour prendre un takeaway briani. Avec un chisopin Pepsi glacé, je donne ça, je dis, tonton, débris ça. Mon camarade, ben noir qui m'a dit, tu es un grand timon, c'est comme ça, là, tout tient, alhamdoulilah, tout dépensé, tu donnes à tonton là, et qui est brillant avec ce Pepsi frappé, tout, machin là, toi, tu es un djannati, toi. Fini, 5 jours, je prends mon ticket, je galope pour NTA. Je me travaille pour faire horsepower, fitness et tout. Je rentre dans NTA, 10h15, il y a 210 mounes avant moi. 210 mounes, 10h15, je me dis, ça vous saute après, ça. Je me dis, attends là. Je rentre dans une stack pour prendre même takeaway, briani avec un Pepsi, je me suis le comptoir.
en pis ki moko lim ci ko lansam mais ou chek bal debouy sa moko ni to moko mazi ki na pou fè ou ta mo hos pa web j'ai fait un petit travail kit li la tranquille dans 15 minutes to passé 15 minutes mon travail fini fait mon so deo mon camarade dans notre ten hadan mi si ma toi descendi mon piatan ton bribe un officier c'est gratification c'est violation prevention of corruption act. Et notre Maulana, garde le bénévole ou la baille. Sans amour propre, vendredi, Djouma, ou met l'ins, non, venu faire un travail. Mal propre comme ça, prenez la malédiction à la rassoule, ou nous bribe un officier pour qu'il fasse au travail de 15 000. Je ne comprends pas. Comprendre. Mais même t'es que moi, tu donnes un bail, tu vas m'asier, tu vas dire, moi, Djannati. Même t'es que oui, même Pepsi, finalement, moi, je donne un bureau, pour qu'il y ait une malédiction, harami. C'est tout dépend de qui est en retour. Tout est en retour. Quand il attend quelque chose en retour, il y a une bribe. Quand il n'attend rien en retour, c'est cadeau. Ça, c'est la définition de la Banque mondiale. Mais moi, dans mon esprit qui a bossé, je ne suis pas trop d'accord. Même quand là, Iqbal, qui est une fiancée, Zouïd, lui donne son fiancé un Tchoulidar, Tchirkoise, Beau, Grenin, ça aussi bribe. Parce qu'Iqbal peut attendre quelque chose en retour. Il n'y a aucun cadeau qui peut attendre. Quand vous donnez un beau garçon une bicyclette parce qu'il n'est pas CPE, mais il peut attendre quelque chose en retour. Il y a l'affection, il y a l'amour, la tendresse, l'attention. Mais si il retourne 1400 bananes de cela, un arabe l'a désiré l'Arabie Saoudite. À la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous avons un Bukhari, il vous donne cette définition de corruption. Un long hadith que le prophète envoie un djimoun pour collecter zakat. Ça dit mon là, il est dans la campagne, ben dit mon tiers zakat en tiers tam, en tiers fruits, en tiers animaux. Il prend ce ban zakat, il amène. Et ça calvine avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit Rasulallah, ça pour, ben dit mon, il donne zakat ça. Ça pour moi, je donne moi cadeau. Il contient ça pour, je donne nous zakat, ça qui cabrila pour moi, je donne moi cadeau. Le prophète montre le mimbar, dit, moi, je dis pour collecter le zakat, quand il retourne, il fait la porte. Il dit ça pour zakat, ça pour khairat, ça pour moi cadeau. Pour vous donner une définition. Qui fait les parties assises dans la case? Qui fait les parties assises dans la case? Afin de jalasa fi bayti abihi wa ummihi hatta ta'tiyahu hadiyatu. Qui fait les parties assises dans la case? Son papa, son maman, il dit que c'est cadeau la vini. Professeur comprend. Si vous avez connu cadeau, c'est qui? Essaye, imagine que si tu es assis dans la case ou papa ou maman, si tu continues à gagner, vraiment des cadeaux. Mais si tu gagnes quelque chose par uniforme qu'il a ou, par poste qu'il a occupé, par siège qu'il a assisé, par bureau qu'il a été, il vient carrément bribe. Et là, nous gagnons Imam al-Ghazali, rahimahullah. Il dit, effectivement, basé sur le Sahadith, il dit, si on gagne un cadeau, pose une question, mais si Jimé ou retraité, ou retraité, ça te que oui qui ça va aller de nous, est-ce qu'il vous donne dans la case pour nous, si vraiment je vous donne nous, ça veut dire un cadeau. Mais si il pas tu viens redou dans la case, on gagne ça à cause ou fonction vis-à-vis des bribes. C'est pour ça que nous un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait comment? Hadaya al-ummal ghulul. Tout cadeau qui est travaillé, gagné, c'est ghulul, c'est l'argent mal gagné. Tout cadeau qui est un petit avec la masse, il vient de rouler, il n'y a pas de reprendre. À tel point, le comité fait l'Arabie Saoudite, il y a même un professeur dans la classe, un professeur. Ses élèves, il travaille en ligne, ses élèves donnent un cadeau la fin du premier trimestre. Si les élèves pour retourner dans le deuxième trimestre, il n'y a pas de reprendre. Donc ce cadeau, il n'y a pas de mohabbat en dix mois. Le professeur a une tendance à favoriser les publics. Mais les partis vont donner plus d'attention parce qu'ils ne sont pas partis de demander un bel cadeau. Si nous avons un boulot ou white line dans le premier trimestre, deuxième trimestre, pourquoi gagner un fou même cette fois-là? Right? Ça fait comprendre que si jamais, mais si personne finit à prendre, il peut aller, il n'y a pas besoin de lui, il lui donne un cadeau pour gratitude et l'accepter. Get good, l'origine, là, apporter cadeau même, l'islam même est un barrage. Pose question, si c'est quelque chose que vous gagnez là, ou bien vous pouvez donner là, c'est qu'il est capable de venir une source de corruption. Et c'est pour ça qu'il s'est mis une bande cadeau. Dans l'époque, Omar Ibn Abdel Aziz, Rahimahullah, il décrète que personne de ce monde fonctionnaire, de ce monde gouverneur qui mettait pas gain droit pour un cadeau. Il dit, prophète, tu peux accepter cadeau, ou pas accepter cadeau, ou en paix pour un cadeau. Il dit, non, maintenant tu peux donner prophète cadeau parce que tu comptes en lui.
c'est un lambeau bouli. Ou pas qu'on ou pas un gouverneur cadeau parce qu'on a l'amour gouverneur non parce qu'il peut être un quelque chose en retour un petit faveur dimé après dimé dans 5 ans à cause de ce ban qui pas gain droit ni prend cadeau ni donne cadeau. Donc ça c'est l'origine au niveau définition c'est que si jamais n'importe qui quelque chose qui vous gagnez ou ça qui vous peut donner un dimoun à cause fonction qu'il est occupé à cause d'uniforme qu'il a, à cause bureau qu'il a, à cause d'autorité qu'il a, living relou, living commencement de la corruption. À partir de là, nous bougeons l'islam so philosophie par rapport à la corruption. Même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait bien comprendre. La'ana Allah rashi wal murtashi wal ra'ish alladhi yamshi baynahuma. Malédiction Allah, non celui qui donne bribe. Rashi, wal murtashi, c'est-à-dire qui prend bribe, wal ra'ish, intermédiaire, azan qui prend, qui a commission là, ça azan là, tous les trois, ça azan qui travaille entre les deux, tous les trois, il y a malédiction l'un l'autre. C'est-à-dire dans tout système, quand il y a l'azan, il y a qu'il est, pour gagner une faveur, pour gagner un tender, un petit enveloppe glissé, il rentre dans la catégorie bribe. Et pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a dans tel niveau, et les bons ont remarqué, premier condamné dans l'islam, c'est Arrachi, celui qui donnait, corrupteur. Celui qui, premier coupable dans le phénomène corruption de sa planète-là, c'est celui qui donnait. Celui qui prend, il vient en deuxième position. Si paye n'a corrupteur, pas pour la corruption. Pour dire que si nous avons envie, élimine, ou bien commence par éliminer la corruption dans nos sociétés, nous sommes incapables moi-même. Moi, accepter, arrêter, remplir le rôle corrupteur. Tibier sang qui met dans House Power, qui met dans NTA. Tibier l'enveloppe des sang qui donne dans la police pour gagner, pour les chemins traversés. Il faut dire, moi, arrêter, remplir ce rôle corrupteur. Dans notre hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit hier comme, wa rashwa. Rashwa, c'est bribe. Fais attention avec bribe. Fa innaha mahdul kufr. Le prophète avait bribe. Parce que ça, c'est pure l'infidélité. Pire l'infidélité. Donne un petit. Il est capable de nous retirer. Il est capable de 100 roupies. Il est capable de 20 coins, 10 roupies. Il est capable de 20 paquets de sous-sous qui nous donne dans la foi parce qu'il y a la police. Jimmy au cabinet de son service. Il est une bribe. Et dans notre hadith, on peut dire, nos mêmes hadiths, on peut conscient. Voilà, il y a Shamu Sahibu Rashwa Rihal Jannah. Man qui mêlé dans corruption, veut dire celui qui donne, celui qui ne prend, tout man qui ne fait intermédiaire, je veux sahib rachwa, je veux pas pour sentir parfum paradis. Et là, ce qui fait nous comprendre, à aucun moment le prophète mentionne valeur, bribe, l'iris bribe, il est capable 50 millions de roupies, il est capable 5 millions, il est capable 100 roupies, il est capable un paquet de sous-sous, il est capable des dizaines, il vient bribe. Et le prophète, l'islam, il est catégorique. Vis-à-vis ça. Mais la cause qui amène corruption, numéro un, c'est déficit au niveau tawhid. Déficit au niveau tawhid. Quand on dit la ilaha illallah, quand on comprend qu'il n'y a pas aucun bon Dieu excepté Allah, quand on comprend que mon succès est trop dans la main Allah, quand on comprend qu'il m'a besoin de développer dans moi une série de valeurs, il m'a besoin de générer la cause Allah, il m'a besoin honnête la cause Allah, il m'a besoin bon la cause Allah, il m'a besoin de respect pour du monde la cause Allah. Ça, c'est Tawhid. Quand on comprend Tawhid, entre moi et mon richesse, il y a Allah au milieu. C'est ça, principe de base. Quand on m'a dit, Khattab, il est passé dans Madina, dans Aswar. Il t'en a dit, maman, dis à ce chifi, oh, mon chifi, ajoute un peu de l'eau dans Djilélan. Nous vendons ça, nous gagnons un Djilé en plus, nous gagnons un casse en plus. Tu veux dire, oh, maman, mais tu ne connais pas comment m'a dit, Khattab, il dit, calife, il dit, pas ajoute de l'eau dans Djilé pour faire profit. Maman a dit, mais tu connais, on m'a dit, Khattab, pas là, qui te casse la tête. Je veux dire, Omar ibn Khattab, pas là, mais créateur, Omar ibn Khattab, il est là. C'est ça l'islam. Ça ne suffit pas d'écouter quand c'est cause qui m'a écouté ou nous écouter. Il n'y a pas d'écouter quand il y a un circadé, nous, on a l'école, Facebook, YouTube, quand c'est qui m'a écouté ou nous écouter. Il n'y a pas quand c'est magazine, quand c'est pamphlet qui m'a écouté ou nous lire. Mais il y a un tawhid dans son essence. Il comprend entre moi, avec mon poste, et a Allah au milieu. C'est ça même premier, c'est une première réalité ça. C'est qui, à partir de là, on comprend que l'honnêteté,
comme honnête, dit capable amène une complication dans mon vie. Moi accepte dit la cause Allah. Malhonnêteté capable de remplir vos postes, vous restez loin avec ça, la cause Allah. Ça c'est le tawhid. Le tawhid. Et c'est ça qui nous trouve quand nous gagnons, quand la base c'est au niveau de l'équerre. Et deuxième cause, corruption, c'est qu'aujourd'hui nous avons des gens qui sont à l'aise dans la malhonnêteté. Malaise dans la malhonnêteté. Aujourd'hui, quand nous avons un défaillement, allégation par rapport à corruption, nous trouvons une première réaction de mettre en si la balle m'a fait coquin, pas 50 millions, pas 10 millions, mais ça tire l'enveloppe qui t'a gagné, il n'y a pas de grandes affaires. Non. Nous ne pouvons pas banaliser haram. Dans l'islam, il y a juste halal et haram. Nous avons quelque chose qui est moins haram parce que ça valait moins. Nous ne sommes pas capables de relativiser dans l'islam. C'est qu'Allah fait nous comprendre une vérité simple. Tout ce qui construit le haram est condamné pour disparaître. Tout ce qui représente l'argent mal gagné est condamné pour disparaître. Aujourd'hui, juste nous avons fait dans notre pays, Maurice, cette vérité-là nous tourner. Tout ce qui construit le haram est condamné pour disparaître à plus forte raison quand il y a un musulman qui dit hier. Riba. Aujourd'hui, on nous dit nous confortables dans le mal, nous confortables dans le haram. Mais si on commence à faire business, il vient prendre conseil à moi, on me dit ouais, tu fais business, mais tu as mis en machine. Hein? Sans riba, tu ne peux pas travailler. Qui m'a dit là? Sans bénédiction, la banque, tu ne peux pas travailler, tu peux disparaître. Oh, c'est qui m'a dit que tu disais, sans bénédiction, Allah, tu ne peux pas réussir. Rode baraka, donne une misère, tu fais tous les mois, traite tout le monde travailler bien, pas coquin, l'eau balance, tu peux pas baraka. Aujourd'hui, nous plus croire dans haram qui dans baraka, nous plus croire dans riba qui dans baraka. Un jour, nous prenons conscience, vous avez fait attention de faire business, mais ce matin, pas écoute ça, man là-bas, là que je dis, toi, tu as une petite enveloppe, si une petite enveloppe, le côté obligé, ça, tout le monde fait ça. Tu es juste obligé de faire pour te prospérer. Parce que nous croire dans haram, nous croire dans malpropreté, nous plus confortable dans malpropreté. Oh, quand nous disons, nous, tout ça qui nous demande l'exemple édifiant qui nous joigne, ça dernier temps-là, quand nous sommes au niveau riba, Allah nous donne une illustration parfaite dans nos pays. Quelqu'un est en décès chez la banque de Bruxelles qui s'appelle BCCI, Bank of Credit and Commerce. Tu connais comme la banque arabe. Derrière là, c'est un Cheikh Zayed, depuis dans Émiré, disparaît. Habib Bank à Jésorik, disparaît. Ça aussi, c'est Chen Bank, disparaît. L'Empire Bramer, BAI, écroulé. Là, nous avons Habib Bank qui dans sa classe. Depuis l'année dernière, période réprimée. Nous comprenons qui est capable de trouver, tout, par exemple, dans l'épisode BAI, nous retient, c'est un exemple pour nous qui montrait qu'il ne laisse pas tout embêter par le sentiment communal, non musulman, n'importe quoi, arabe, mais si pas le haram, le malpropreté. Quand il construit le malpropreté, le haram, il est condamné pour disparaître. Aussi simple que ça. Oui, et là-dedans, il y a tout un ingrédient qui fait nous fantasmer, voyage par jet privé. Appartement dans Londres, dans Mayfair, poche area, grainé, parce qu'il construit le riba. C'est ça la vérité. Mais dans le coin de la rue, il y a un bank, il y a un petit tabasi, quand vous rentrez, ou tout des la même banane, puis pendant, un petit frisier, des secondes, mais rouler. Ce madame fait un peu sans mousse, un peu de pain frit, un peu de tina pourri, pendant 30 bananes, il est là. Il travaille, il résidence dans la case, il est sur droit de chifi, il fait hajj, il peut faire umra en décembre. Oui, tu t'as basé. C'est un baraka. C'est ça qui est moins où, face à dans ce contexte-là, nous sommes capables de raffirmer nos convictions. Nous croyons dans halal, nous croyons dans baraka, nous croyons dans bénédiction en l'artalan. Ça, c'est une émanation de cette tawahid-là. Et troisième point qui amène une telle situation, c'est gourmandise. Content gagne plus, content ramasser, content d'y aller, plus ou ramasser, plus ou gagner. Et ça, nous sommes capables de mettre nous-mêmes en garde. Gourmandise, cupidité, l'instinct, accaparer, ramasser. Mais pendant, en même temps, nous avons dit, attends, nous avons dit, gourmandise. Je ne sais pas quoi gourmandise commencer. En ce moment, nous avons fait un certificat paradis de la terre. Nous avons dit, nous avons dit, tapas, comme on attendait, il y a 700 sambos remplis en provision pour rentrer dans Medina. Je ne sais pas quoi gourmandise commencer. Le 701e samo qui dit que c'est gourmand là? Non. Gourmandise, qu'on nous dit, c'est important, nous disons clé dans la définition de notre tête. Il y a quelque chose qui s'appelle gourmandise, il y a quelque chose qui s'appelle l'ambition. Tous les deux, c'est bien proche l'un à l'autre. Gourmandise, c'est négatif, l'ambition, c'est positif.
Si moi, par exemple, je suis un carré de la rue royale, je dis, ah, tu veux dire, gourmand, dis, je suis un carré. Mais, ben, Younous, il y en a 9 carrés dans Pauline, il y en a 3 dans Roosevelt, il y en a 2 dans Maïbou, il y en a 1 POV Rodrigue, right? Il arrive 16, je veux dire, il y a 16 fois plus gourmand que moi. Non. Gourmand, dis, je suis un avec quantité. Ou capable de multimilliardaire, mais ou pas gourmand. Et je suis capable de dire que grand matin, mange grand matin, travaille grand matin, mange tantôt, mais je suis gourmand. Il dépend de l'eau à l'intérieur, l'eau trois quelque chose. Numéro un, dans mon objectif. Mais dans un petit magasin, moi, mon objectif, c'est venir ici, gagner un casque, continuer un casque, continuer un casque, grand matin, tantôt. Je dis si je mon compte grossi, je vais un plaisir. Mais you know, si il y a 19 quincailleries, mais il dit à mon travail, il y a un rab, que tout ce qui te donne moi, vient de moyen pour construire moi à Kharat. Moi, j'ai 1 million, alhamdoulilah, moi, servi pour construire moi à Kharat. Moi, te donne 1 milliard demain, 2 milliards demain. Tout mon business vient de moyen pour construire moi à Kharat. Et dans Baraka, il y a plus. C'est l'objectif. Moi, c'est vin riche. Pour lui, c'est servir tout ce qu'il y a dans son objectif pour construire son Akharat. Dans méthode, pour moi, c'est vin riche par n'importe qui moyen. Travail, mon moyen. Haram, casse-conto, tu brailles pas ici, tu. Un petit mensongiste qu'aucun moi tout quelque chose qui a bossé moladan, parce que moi, vous avez une risque. L'idée de ce méthode, c'est 100% halal. Qu'on a doute, il n'est pas rentré. Zis, pour lui, c'est halal parce qu'il est dirigé par sa notion de tawhid. Troisième, de son attitude. L'idée fait de travailler bien, l'idée donne des autres cadeaux, l'idée donne des masjid, l'idée finance madrasa, l'idée finance l'orphelinat pour moi. Rien de mon liquide sorti, quand vous payez la mémoire, je me sens que j'ai déraciné. Donne 10 000 minimum, oui, je me fais on va travailler comme ça. Voilà, je prends 6, je prends local, je me dis à toi, liquide là, déraciné. Parce que, quand tout moyen, quand on travaille, quand on tricle au transport, puis on va travailler bien, tricle à droite, à gauche. Pas de damasite parce que mon liquide est déraciné. C'est ça que les gourmands disent. Dans l'objectif, dans ce méthode, dans l'attitude, je reste un accaparé, un dimon qui, quand l'argent là, allez, mon liquide est déraciné. Oh, ici, l'ambition, c'est servir mon lozan. Pour gagner, alhamdoulilah, pour gagner, alhamdoulilah, pour pas gagner. Quand vous gagnez, vous content, vous donnez paye, vous travaillez bien, vous avez moyen 100% halal. Et dans mon latitude vis-à-vis casse, vous pas risqué pousser dans la dépense cadre semaine. Ça, c'est l'ambition. Ici, qui nous met c'est gourmandise. Vinris, accaparé, servir tout moyen pour Vinris, même si vous donnez à droite, à gauche, pour vivre, qu'il a fait l'année, vous trouvez mon compte, puis qu'on s'y grossit. Donc, ça, c'est troisième fait qui amène, troisième facteur qui contribue dans, premier, c'est déficit au niveau tawhid. Deuxième, c'est complaisance dans la malhonnêteté. Troisième, c'est gourmandise. Trois facteurs qui amènent corruption. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, amma ba'd. Et dernier point que nous avons vu, qu'il s'agit de nous comme base pour amener un culture, l'intégrité dans nous la case. C'est que numéro un, premier point, c'est que l'honnêteté, un musulman qui dit Muhammadur Rasulullah, qui prend Al-Amin al-Sadiq comme son modèle, c'est un quelqu'un qui besoin travailler sur l'honnêteté. Et l'honnêteté, il n'est pas un quelque chose qui est statique, ça, une valeur qui est statique. Non, l'honnêteté, il continue à grandir avec les temps. Par exemple, ma générosité. Si 25 balles de cela, quand je dépense, je dépense 25 roupies par mois. Je la paye à cette époque-là, c'est 2000 roupies. Aujourd'hui, 25 balles après, je encore dépense 25 roupies par mois. Il y a un problème au niveau de l'honnêteté. Il faut que l'honnêteté, il marche avec les temps. Plus mon revenu monte, plus mon revenu plus généré. Pareil comme ça même, l'honnêteté, pareil, générosité, pareil, tout le monde valeur. Avec les temps, mon revenu honnête, plus honnête, plus honnête. Ce n'est pas possible. 25 balles, mon phénomène. Mon garde rosa, mon fait hajj, un coup, mon fait umra, des coups. Mais mon coup, triqué, quand je rentre dans le bureau, je rentre 9h20, quand je signe 8h45. 25 balles, sans aucun remords. Mon servi bureau sur photocopie, mon servi pour mon travail personnel, faire photocopie mon petit, à l'époque là, l'étude en 6e, mon faire photocopie sur gros livre, mathématiques, IVS, anglais, sans aucun remords. Je dis, bien, à 6e, je dis, toi, à 6e, je faire photocopie de bureau. Servi quelque chose bureau pour mon propre usage personnel, sans aucun remords. C'est parce que mon honnêteté peine de travail. Mon business capable, avec les temps, mon vie plus honnête. Avec moi-même, je m'auto-réformé. Moi-même, je me sentis qu'alhamdoulilah, au niveau de l'honnêteté, mon amas, mon rosa, il y a l'effet de sa valeur. Je me viens de prison. C'est que moi, tu fais 25 ans de là sans remords, je me dis non, je ne vais pas faire ça, c'était là.
Deuxième quelque chose, comme Allah dit dans le verset Coran qui m'a donné l'introduction, « Yayuhalladhina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin » Ou man kina iman, gagne la frayeur d'Allah et reste pas man sadiqin, man véridique, man di moun ki propre, man di moun ki droite, man di moun ki honnête. Et de man façon qui nous capable de faire ça, reste, comme si dirait, en contact avec man l'exemple qui nous est là. Ou man khattab radiallahu anhu, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, man sahaba, man ki man l'exemple dans l'honnêteté, li pou nan l'impact l'onou. Tant qu'il nous continue reste à ça, milieu contre nous, décor de tout, Al Capone, Madame Al Capone, on dirait super dans coquin, dans triangle, pas laisser ça déteindre nous. Contre balance ça avec reste dans habituer nous avec la vie Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sahaba. Et c'est en même temps cause, ça man l'exemple là avec nos familles. Habituer les autres, on va mettre à table de la Rouane. Dans son époque, un petit épisode, son madame, gagne. Dans Medina, il y a un émissaire qui sortit depuis Rome, Gilles César. Ce émissaire vient là. Quand il est allé, Madame Omar bin Khattab, il donne un fiole parfum. Il donne ça à l'émissaire là. C'est la diplomatie ça. Donne ça pour donner l'empereur romain, son madame. Un cadeau de la part. Ici, le calife musulman, son madame, il donne ça. Face à ça, il manque un point dans la diplomatie. Madame l'empereur romain, les réciproquer, les retourner. Qu'il fait, hein? Il prend sa bande fiole là, il remplit ça avec perles, il retourne ça à Madame Omar bin Khattab. Waouh, imagine nous là. Right? Madame là, puis assise, il se bande perles, Omar bin Khattab, il a quitté ça. Il dit, l'empereur romain, ce madame, il ne retourne moi ça. Imagine moi, écoute de sa place là. Right? Un petit fiole de navoyé, tu trouves un petit fiole de navoyé, tu as un petit fiole. Hein? Si tu as place avec un fiole de navoyé, un petit Pepsi d'élite. Tu te dis, toujours, on dirait, tu as besoin avant. Tu as dit, Pepsi, tu te dis, aujourd'hui. Ici, les Romains nous disent, ah bon, famille ça, Madame Romain, on verra, famille ça, cousine ça, belle-mère ça, non, pas famille, pas famille. Mais viens, ils donnent où? Pas famille ça, ils donnent tout le mal, ou retourne tout simplement père là, demain tout le mal. Ça, c'est l'exemple que l'islam nous donne. C'est ça le niveau que l'islam ou les moins qu'on a arrivé. Nous sommes capables de continuer à habiter nous, reste baigné dans ce mal exemple, Omar bin Khattab, Omar bin Abdel Aziz, tout le monde sahaba, tout le monde Mohammed Salam. C'est ça qu'elle a dit pour nous, ma'as sadiqin. Actualise sa réalité qui est moins ou ce que nous besoin. Nous pas gagner droit d'être corrupteur, nous sommes capables en permanence de travailler l'eau, nous sens, l'honnêteté, nous l'intégrer. Nous demandons à Allah qui s'attire à appel là, qui vient bénéfique pour nous, même Inch'Allah, qui nous capable de venir au moins dans nous la case, dans nous, vis-à-vis nous, madame, vis-à-vis nos enfants, nous amène sa culture, l'intégrité. Un troisième facteur qui est important, check tout quelque chose qui rentre dans la case. Check tout quelque chose qui rentre dans la case. Par exemple, je vais mettre à table, checker. N'importe qui, ça qui est un PC à mener. Un PC à sortir à mener, take away brigade. Écoute, nous avons ça. Un politicien, nous sommes dans le régime, dans le régional. Bon, politicien. Vous prenez dans un politicien, c'est là. Nous avons des réactions. Nous allons dire, oh, tu n'as même pas pour nous, tu vas apprendre pour Dadi, tu vas apprendre pour Poi. Ça, c'est une réaction. Mais une réaction musulmane, c'est quand là autour de l'an, ça coûte sortir ça. Vous connaissez qui casse ça? Vous remettez votre retour ça. Dans la 15 ans, veillez à ce qu'il n'en ait pas rentré si vous ne connaissez pas ce source qui sortit. Parce que sortit, il y a une, nous allons dire, une inondation de l'an haram qui est en circulation. Qu'il soit un t-shirt, qu'il soit un takeaway, un plim, un savate l'éponge qui peut décoller, faites attention, pas prendre n'en rien tant que vous ne connaissez pas ce source. Amène ça dans la case, dans la case là, qu'il soit grand, petit, veillez tout ce qui est rentré. Ça n'est important ça. Veillez qu'il descende dans nos tripes avant tout. Pour nous devoir accepter, il faut de nous l'argent, il faut de nous manger halal. Amène ça qu'il tient l'honnêteté là. Essaye de faire que nous enfants, nous madame, nous tous dans la case qu'on est, qui ici, c'est ça l'espace-temps, nous avons ici rentré, les 100% halal. Nous demandons à Allah fait que nous tous ici, nous venons de vrais disciples de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous venons de dix disciples de sa rasoul qui n'a dit de Al-Amin al-Sadiq et qui nous réussit à mener qu'il tient l'intégrité dans nous la case, côté nous était, et qui à travers ça, nous capables de combattre sa fléau qui appelle, corruption. Dans nous l'endroit. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala rasulika wa habibika Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izz al-Islam wal muslimin. Allahumma ansur al-Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mazlumin fi Falastin وفي الشام وفي سوريا وفي لبنان وفي الصين وفي اليمن وفي الهند وأينما يكونوا مظلومين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك
عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اشكروا الله على نعمه وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.